Évangile de Jésus-Christ en saint Marc. Jésus et ses disciples, ayant traversé le lac, abordèrent à Génézareth et accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à transporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait sa présence. Et dans tous les endroits où il était, dans les villages, les villes ou les champs, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Au moment de cette page d'évangile, Jésus a déjà accompli un très grand nombre de guérisons, surtout à Capharnaüm, que ce soit la belle-mère de Simon, que ce soit des lépreux, des aveugles, des paralysés. Au fond, les deux tiers de son agenda consistent à guérir. Et d'ailleurs, cela signifie bien son identité, puisqu'il était dit du Messie, un texte du prophète Isaïe, « Lorsque le Messie viendra, les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira comme un cerf et la langue des muets prononcera des chants de joie. » Et également, souvenez-vous, lorsque Jean le Baptiste s'inquiète et se demande « Est-ce que c'est bien lui, le Messie ? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Eh bien, Jésus répond « Allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » On accuse souvent Dieu de non-assistance à personne en danger. Et on croit que Dieu aime la souffrance. Lorsqu'on demande au sujet de l'aveugle-né, est-ce que c'est lui qui a commis un péché ou est-ce que ce sont ses parents, Jésus écarte ces deux hypothèses et il dit non. Tout cela est faux, mais afin que la gloire de Dieu se manifeste en lui, et à ce moment-là, il le guérit. C'est la guérison qui manifeste la gloire de Dieu. Et si Dieu avait aimé la souffrance, Jésus n'aurait pas fait de guérison. Or, il passe les trois quarts de son temps à soigner. Donc, Dieu n'est pas complice des accidents d'avion. Dieu n'est pas complice des tremblements de terre. Et nous avons tort de croire que Dieu est complice de tout cela. Alors, demandons à Dieu d'être disponible pour être chargé de mission de sa part et essayer de trouver la parade à toutes les souffrances de nos frères.